Salut, c'est Fred, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Justement, hier je te disais, je vais te donner un exercice qui va te permettre comme ça de renforcer ce système d'échange d'énergie. Tu sais, hier je te disais, pour ton pouvoir, je te parlais de ton pouvoir extraordinaire là, de pouvoir basculer d'une énergie positive à négative et inversement, ok, en un claquement de doigts comme ça, juste une décision et de basculer ce truc et de renforcer, je t'ai parlé de ça hier. Et je te disais aussi que j'allais te donner un exercice, en plus un système d'ancrage pour renforcer ce système. Donc, c'est un truc super simple. Ok? Je vais te demander, pour ça, on va partir sur ces visuels, d'accord? Mais on va faire travailler d'autres sens en même temps. Je te demande de poser comme ça et puis d'imaginer, ok, une image mentale, une photo, ok? Une image mentale de toi qui est en énergie basse, ok? Je veux que tu vois en gros plan dans ta tête, ok? Une image de toi qui est en very bad trip, quoi, ok? Énergie basse, c'est une image de toi qui est en mode super pas bien, d'accord? Je veux que tu vois ça, ok? Cette image, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Sois précis, est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'elle est en noir et blanc? Est-ce que tu es tout seul dans cette image? Est-ce qu'il y a un décor avec toi? Pense à ça. Visualise ce truc-là. Et puis, je t'invite éventuellement même à y mettre des sons. Peut-être que tu es quelqu'un qui aime écouter, qui est plus auditif. Alors, rajoute-y des sons. Peut-être qu'avec cette image, on peut associer, je ne sais pas, une musique, une ambiance, quelque chose qui fait que ça renforce que cette image de toi en mode énergie sombre, énergie basse, énergie négative, ok? Eh bien, ce son un peu renforcé comme ça. Ok, cette image super grande. D'accord? Tu vois ça dans ta tête. Tu peux fermer les yeux si tu veux et puis prendre le temps comme ça de visualiser ce truc. Ok, cette image qui est gigantesque là dans ta tête de toi en mode ça va pas. Ok, en mode énergie basse, super bad trip. Prends le temps de visualiser ce truc-là. Une fois que tu as visualisé bien cette image, d'accord? Je te demande de visualiser une autre image. Ok, mais ce coup-ci, c'est toi en mode énergie haute. Toi en mode super lumineux qui va vachement bien, qui est bien, yes, tu vois, qui sent, waouh, une pêche de ouf, plein d'énergie, qui se sent bien, qui se sent heureux de vivre, qui se sent en paix, tu vois, en plein bonheur, dans l'amour, dans la joie. Ok, visualise une nouvelle image comme ça. Ok, pareil, tu l'as fait super grande, ok? C'est la seule qui occupe ton esprit maintenant, cette grande image de toi là qui est dans une énergie de ouf, qui est trop bien, c'est génial. Et pareil, tu peux y ajouter aussi un son, tu vois, peut-être une musique qui est entraînante pour toi. Un truc comme ça où est-ce que tu te dis, ah ouais, ces musiques-là, elles me donnent le sourire, elles me donnent la pêche, yeah, elles me donnent envie de bouger, ah, de respirer la vie comme ça, tu vois. Ça t'amène de la lumière dans la tête, ok? Visualise comme ça. Une image de toi comme ça, ok? Super énergie positive. Visualise ça. Une fois que tu as ces deux images, l'image bien construite de énergie basse, l'image bien construite de énergie haute, d'accord? Je vais te demander de faire un travail de visualisation. Est-ce que tu vas donc fermer tes yeux, ok? Et puis, tu vas imaginer donc en tout petit dans un coin l'image de l'énergie haute. Ok, l'image, la super belle énergie, là, bien haute, bien forte, je veux que tu l'imagines en tout petit, quelque part, dans un coin de ton esprit. Tu la vois, elle est là au loin. Mais en très très grand comme ça, je t'imagine l'image de toi en mode ça va pas. Ok, cette image d'énergie de toi en énergie basse, je veux que tu l'imagines bien grosse. Elle occupe presque tout l'écran de ton esprit. D'accord? Cette image de toi en mode négatif, énergie basse, je veux qu'elle prenne beaucoup de place. Et en tout petit au fond là, on voit l'image, tu vois, de cette énergie haute, d'accord? De toi en énergie haute. Et d'un seul coup, comme tu sais le faire, quand tu sais basculer ton énergie comme ça, eh bien, je veux que d'un seul coup, tu bascules l'énergie, l'image, ok? D'un seul coup, l'image, la grande image d'énergie basse, eh bien, tu la fais basculer en tout petit, ok? Et celle qui était toute petite image, là, ok, d'énergie haute, et bien pouf, elle devient super grande. Tu vois, une bascule comme ça, ok? Le tout petit remplace le grand. Et le grand devient tout petit. Ok? Tu fais un switch comme ça. Chac, d'un seul coup. Paf, tu vois, tu as le grand
grande image de toi en énergie négative, d'un seul coup, pouf, cette image devient tout riquiqui parce que l'autre, elle prend toute la place, cette image d'énergie haute, où est-ce que tu es lumineux, tu es bon, tu es bien, tu es dans la joie et l'amour. Fais ce switch, ok? Exerce-toi à faire ça. Prends bien soin de bien définir cette image, ok, négative, de bien définir cette image positive, ok, et fais ce switch. Entraîne-toi. Entraîne-toi à faire ce switch où est-ce que tu passes de la grande image négative à pouf, la grande image positive, ok? Entraîne-toi à faire ce switch. En même temps que tu vas faire ça, d'accord? Je veux que tu pinces ton pouce et ton index, d'accord? Quand tu fais ce switch comme ça et que bim, tu as la lumière, l'image comme ça, lumineuse de toi en énergie haute, je veux que tu presses l'index et le pouce ensemble, tu vois? Tu les presses ensemble au même moment est-ce que tu fais ce check comme ça, ce switch, ok? Le switch d'image, pouf, d'un seul coup, je suis en énergie haute avec mon image et je serre mon pouce et mon index. Je les serre comme ça. Et quand tu es dans cette image d'énergie haute, ok, ressens-le, vibre-le, sens-le en toi. Sois vraiment dans cette image, tu es cette image, ok? Elle prend tout ton esprit, toute la place dans ta tête, d'accord? Focalise vraiment ton attention là-dessus. Et je t'invite vraiment à faire cet exercice, à prendre le temps de bien définir chacune des deux images, comme je t'ai dit, ok? Et puis, à t'entraîner à faire ce switch d'image, ok? Et quand tu as bien réussi à faire mentalement ce switch, ok, entre l'image, la grande image négative et pouf, qui est remplacée immédiatement par la grande image positive, quand tu as réussi à bien faire ça, ok, je t'invite donc à réitérer cette expérience en y apportant plus d'attention. Vraiment à sentir cette énergie positive en toi quand tu es avec la belle et grande image de toi et à serrer ton pouce et ton index, ok? Et tu les gardes serrés comme ça et t'apprécies cette image, ok? Où est-ce que tu es lumineux, où est-ce que, yes, tu es dans une énergie haute. Apprécie cette image en gardant ton index et ton pouce serrés comme ça. Apprécie-le, sens-le dans ton corps, sens-toi vibrer ce truc, ok? Et garde ça à l'esprit. Quand tu vas l'avoir fait plusieurs fois en serrant tes doigts, là, on a créé ce qu'on appelle un ancrage. Ça veut dire que tu as ancré en toi une nouvelle perception de toi-même, un système, un levier, ok, qui va être comme un interrupteur. L'interrupteur, c'est le pouce et l'index et le switch, ok. Et ce qui fait, grâce à ça, que quand tu vas te sentir comme ça, en mode bad trip, ok, dans ta vie, tu vis un truc où est-ce que, ah bah, je me lève le matin, par exemple, puis ça va pas trop aujourd'hui, eh bien, grâce à ça, ok, et à l'attention bien sûr que tu portes, ok, eh bien tu vas voir que tu pourras justement, quand tu ne te sentiras pas bien, t'aider toi-même avec ce levier. Ça va faire un interrupteur où est-ce que, ok, je presse mon index et je fais le switch dans ma tête. Et juste de faire ça, plus tu vas le faire et tu vas voir que plus ça va t'aider dans ta vie de tous les jours justement à réellement basculer du, comme ça, d'une énergie négative à une énergie positive. Juste comme ça, avec ce switch. Le pouce et l'index. Et pouf, tu fais le switch dans ta tête. Plus tu vas le faire, plus ça va être vite, plus ça va être efficace. Et c'est vraiment, vraiment très, très efficace. Voilà un outil encore. Comme je te l'ai dit hier justement, je t'ai dit que je te donnerais un outil d'ancrage comme ça pour renforcer ce système de changement d'énergie. Et bien voilà, grâce à cette technique d'ancrage, du switch, ok, et bien t'es paré, hein, voilà. Sois plus attentif encore à ton énergie, à comment changer d'énergie, comme je te l'ai dit hier, et à t'entraîner à ça, et entraîne-toi pour le switch. Et le pouce et l'index, quand tu es avec cette image d'énergie haute là, et tu ressens toi, vraiment, prends soin de toi, prends soin de ressentir comme ça ton énergie, tu vois. Et après, ça va le faire, je ne sais pas si tu vois, mais moi, ça m'en fait la chair de poule, juste, voilà, après, ça va le faire ça, tu vois, tu vas tellement avoir l'habitude de travailler comme ça, sentir, travailler ton énergie, ok, que tu vas arriver comme ça, ça va te picoter la peau tellement c'est un truc de ouf, tellement ça fait du bien en fait, ok? Donc, entraîne-toi, fais-le, ne crois pas, teste par toi-même, ok? Expérimente la chose. Cette vidéo, tu peux la voir et la revoir tant de fois que tu veux pour comprendre ce truc de switch. Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux aussi me mettre une question dans le commentaire. Il n'y a pas de souci, je suis dispo, ok? Tu me poses la question et je prendrai soin de t'y répondre, bien évidemment. C'est vraiment une super technique. Yes! Bon, sur ce, eh bien, je t'invite comme d'habitude à liker, commenter, partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à demain pour la suite de l'aventure. Yes!
Ose vivre ta vie parce que tu le mérites. Prends soin de toi. T'es au top. À demain. Ciao, ciao.